Bonjour tout le monde, ici Firoxfilm et bienvenue pour cet épisode numéro 9. Non, 9 on l'a fait déjà. 10, oui l'épisode 10, je suis à peu près sûr c'est l'épisode 10. Donc de ce let's play sur le mod packet Hexit qui est très 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 sympathique. Et on va faire exploser un peu. Je voulais qu'il y ait un trou qui se fasse, qu'on puisse sauter en bas. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Parce que voilà, on va peut-être juste mettre nos Cloud Boots. Parce que sinon, la chute peut être fatale. Et puis là, on a un énorme lag. Tu nous le diras quand tu voudras plus laguer, s'il te plaît. Okay. Voilà, merci. Elle nous l'a pas dit par contre, ça, je suis pas content. Demande à ton ordi de te dire quand t'as du lag. Ça va juste la faire plus lag, si vous vouliez savoir. Bon, ok, prochaine affaire, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. On va continuer à explorer. Puis je me demande si l'autre cœur, est-ce qu'il va se régénérer par-dessus? Oui, ok, fiouf. Voilà, donc on a un cœur de plus. Non, pour toute la vie. Mettre ça aussi. Parce que pour gravir des montagnes, on s'entend qu'il n'y a pas meilleur. Et pour sauter des montagnes aussi, il n'y a pas meilleur. Donc voilà, tu sais, on gravit des montagnes comme ça, en sautant de 5,5 blocs. Puis on peut même aller. Oh! Oh, je l'ai tué, le gars! Shit. Puis on peut utiliser nos bottes normales parce que sauter super haut, des fois, ça fait comme chier un peu le peuple. Ok. Donc. Donc, non, il faudrait qu'on aille vers le nord, hein. D'autres, c'est à peu près tout le temps vers le nord qu'on est allé. Donc, notre spawn, si vous vouliez vous en rappeler, c'était ici. À peu près, là c'était notre premier donjon, notre premier vrai donjon en tout cas. Puis on a monté, 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 le volcan qu'on a passé finalement, on a fait « Oh, on va le faire plus tard !» Je vais retourner, après ça j'étais rendu ici, là ce tour-là, puis une autre tour que je sais pas où. Quand je l'ai faite, ça a arrêté de filmer, pour l'épisode je sais pas combien, on a fait ce donjon-là, ce donjon-là, les pyramides. On a continué, on a fait le village, on a continué, on a traversé un océan. Et là, il y avait une espèce de truc vraiment étrange, je sais pas trop c'était quoi. On nous traversait tout ça, tout ça. Ah, ça c'était la tour du Nether, je pense. Donc après ça, on est dans notre portail du Nether, doit être pas mal là. Puis si après ça, on a un autre village qu'on a. On l'a fait l'autre village? Ouais, on l'a fait. Puis on est arrivé là. Oh, puis il y a un autre village dans les glaces là. Bon, ben c'est ça qu'on va aller faire. Voilà. Donc en gros, c'est ça qui s'est passé durant ces 10 épisodes là. YOLO! Ça a même pas lagué là. C'est cool. Parce que j'ai essayé Thief. Ben, j'ai pas essayé Thief là, je fais une série dessus. Mais l'épisode 11 de Thief, ça marche pas. Pourquoi? Aucune idée. Mais je tourne à 1 FPS. C'est ça que j'avais vraiment peur en tournant Exit. Jusqu'à temps que le problème soit réglé, ben je vais juste faire du exit. Alors. C'est triste, hein? C'est parce que j'ai update à Windows 8.1 hier. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oh. Ben chill. Ben écoute, on les garde. Puis si on en trouve plein, ben tant mieux. Bon, y en a-tu qui vendraient des flèches? Parce qu'avec un arc overpowered comme j'ai, c'est pas mal ça qu'il me faudrait. Hey! Wow. Toi, je vais aller voir après. Non. Non, des coups. Toi ici. Flint and steel.
Cyril, toi là-bas, c'était-tu lui qui vendait du pain? Oui, ok. Bon, il y a des gens là ici. Toi, c'est le truc poulet. Pourquoi? The fuck? Ok. Il est fatiguant, là. Ok, ben il y a aucun villageois qui a des trucs intéressants. Donc c'est bien triste. Je vais peut-être pleurer ou pas. Le ou pas me paraît plus intéressant. Et donc on continue vers le. Oh! En plus il y a comme du rainbow. Bon voilà, trouvez qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est chill comme modpack. C'est que t'as aucune idée sur quoi tu vas tomber. Tu peux pas préparer un épisode de. T'as aucune idée. De sur quoi tu vas arriver. Okay. Et où le donjon? Ah, il est ici. Ok. Et où l'entrée du donjon? Ah, ouais. Et puis évidemment, tu sais, c'est sur de quoi dans les. Ah, c'est peut-être un donjon volant. Wow. Hey. Mais non, ça a pas l'air d'un donjon volant. Sinon, il aurait pas coupé une montagne juste pour faire le donjon. Est-ce que ça commence par là-bas? Ou bien, c'est le contraire? Ah, il y a un chest là. What the fuck? Il y a un chest comme en dehors. Dieu. Aïe, c'est moi ou comme il essaie de nous éloigner du. Shit, du donjon. Je pense que l'entrée est de l'autre bord de ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'entrée, au pire, je passerai pas. Oh, hop, on a une tour là aussi. Mais elle est détruite. Ça sert à rien dans ce temps-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est faire. Ah, ben cool, il saute avec moi. Gremlin? Écoutez, aucune idée c'est quoi. On va remonter en haut. Hey, c'est dur. Ah, check, des fois je suis capable de placer comme plein de blocs. Plus utile comme ça, hein. Bon, je pense que j'en ai déjà battu des gremlins. So powerful. Ok, on va aller ramasser un peu d'XP. On est niveau 40, hein. Puis on n'a pas utilisé l'XP. Bah écoutez, tant pis, hein. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Je pense qu'on en a déjà fait un comme ça, c'est possible. Non. Bon, on va pouvoir prendre le pain, c'est tout. Puis on change de temps en temps. Puis pas toujours faire la même chose. 5 de la merde. Ok, on peut changer. Ok, puis essayer de nous éloigner d'être là. What? Mais là, en plus, je lag! En plus, c'est pas vraiment dur, c'est juste je lag, puis. Qu'est-ce qu'il a donné? Spider Hook. Oh, attends, il y avait des flèches. Puis des torches. On va en prendre.
Ok, bah écoutez, il me semble qu'il n'y a pas grand chose. T'arrives, t'as une autre boss comme trois fois plus dur, t'es là. Ah! Bon, donc premièrement, on va prendre la Golden Feeder. On... Feather, ouais, bien Feather, non pas Feeder. Je suis quand même pas rendu pour dire Feeder, mais ça va aller mal. Sinon, je vais m'acheter. Non, c'est pas si payant. Soyez sans crainte. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ok. De toute manière, je pense que tout ce qu'on a eu. Non. Oh man, j'ai rien. J'ai-tu du Feather Fall? Même pas. Donc sur la carte, on voit quelque chose par là-bas. C'est juste une maison. Mais là, pourquoi je prends pas de Fall Damage? Bah écoutez, je sais pas pourquoi, mais. Tellement switché de fois entre les Cloud Boots que lui. C'est super bien caché. What? C'est une bébête ça en plus. Je suis sûr. Bon, ok, mais il y avait pas de building ici finalement. C'est moi qui rêvais comme. J'espérais qu'il y ait un building, mais il me semblait qu'il y avait comme un truc qui était gris. Puis je demande, tu. Il y a des diams là-bas, mais tu nous autres, on est tellement badass qu'on va pas en prendre. Trop YOLO. Donc tu sais, on continue. On continue. On peut dormir. Qu'est-ce qu'on va mettre en échange? Ça ici. Les diams aussi. Voilà, on va dormir, puis je pense qu'on va s'en hanter notre patente. Nos patentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. On va se mettre un crafting table. On va prendre la tête d'enchant, les bookshelves. Puis notre hache totalement badass, qui valait absolument la peine. Et donc, on va réparer celle-là en mettant Flame. Repair cost 100... 157. C'est moi, je viens de dépasser tous mes niveaux là-dessus. The Killing Zombie of the NASA. Une blague là. L'arc coûte 157 à réparer. Plus ça coûte moins 8. Plus il coûte 115 à réparer. Why? What the fuck? What the fuck? Il coûte 119 à réparer, c'est quoi ça? Je viens de dépasser 40 niveaux là-dessus, là. C'est une blague? Ça doit être une blague, ça peut pas être la réalité, là. Je pense que j'étais en train de rêver. J'étais ma merde. Arc, mais 40 beaux niveaux. Pour rien. Peut-être qu'il faut que je le renomme. Non, ça coûte 23 à renommer. Shit, man. Faut se faire quoi avec ça? C'est que même avec mes... Bah écoute, je viens de perdre je sais pas combien de niveaux pour de la merde. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est commencer. Donc j'étais pas supposé commencer, j'étais supposé continuer à enchanter cette épée-là. Je vais pouvoir commencer à continuer à l'enchanter. Quoique... Ouais. Sharpness 3 qu'on va être capable de se mettre dessus. Et donc, ça va être assez, mais pour l'instant, elle est même pas encore assez forte pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, c'est très sympathique. Est-ce que j'ai vraiment ça puis ça dedans? Voilà. Ça, c'est une blague, là.
Fuck that. Sérieux là? Tant pis. On va ramasser ça. C'est cool là, t'as des flottes? Je sais pas là. Pourquoi l'arc qui coûte cher à réparer? J'ai-tu déjà réparé? Je l'ai sûrement déjà réparé. Hey, je l'ai pas utilisé 200 fois cet arc là. Là. C'est un méchant bot que j'utilise. Ok, il y a la bouffe, on va pouvoir mettre là. 30 pains, c'est bien ça. On a une feather. On avait-tu mis dans merde? Oh non! J'ai jeté le sac merde! Hey là, faut absolument pas que je jette trucs qui valent cher, sinon c'est sûr que je me shot là. J'ai qu'est-ce que j'ai là-dedans là. Hey dude, on fait ça genre. On fait le Titan Bond. Ouais, il faut du leather. Puis il faut de l'or. Puis il nous faut notre. Qu'est-ce que j'ai mis? Du fer là. Il nous faut notre truc comme ça. What? Je pense que j'ai des petits problèmes en ce moment. Putain, on a ça. Puis là, on va pouvoir mettre ça. C'est là, là. Non, c'est ici. Je pense pas que ça change rien. Bon, ça doit changer quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Puis je sais même pas où c'est, faut que je le place. Fait que. Là, c'est quand même. C'est chiant. Non? Moi, je trouve ça chiant. Ouais, ça fait chier. De la merde. On va te mettre dans bouffe. Pourquoi? Parce que ça me tente. Ok, ben c'est cool. On a juste perdu tous les fucking niveaux qu'on avait en faisant le donjon fucking. Ben il était pas dur. Parce que là on a rendu Christmas OP là. Mais il était chiant. J'ai plus de fraises à règle de bout, moi. Je dois en avoir. J'en ai plus. J'en ai même pas une part. Ah non, c'est sûr, j'ai jeté mon sac d'équipement. Hey, je te dis que hein, des fois là, j'ai de la misère en esti. Ça paraît pas quand tu me regardes là, mais ouf. Oh, Seigneur. Puis là, t'as un innocent qui devrait te faire tuer dans un cactus. Quand même drôle. C'est tellement laid comme bébite, pis ça sert tellement à rien. Je hais ces bêtes. Allez, continuons. Donc, dans le fond, je peux comme plus réparer mon stuff. Puis, j'ai même pas assez de niveau pour enchanter l'épée. Pour que ça vaille la peine. Donc, on est dans la merde. C'est tout simple. Je sais pas, moi je vois ça comme ça. Pourquoi il y a comme 25 crocodiles ici? What the fuck? Non, pas aller récolter de l'XP. Parce qu'on en a besoin. Shit. Quand même 3. Rien. Sympathique. C'est quand même 3 spawners. Moi, je m'en fous qu'il y ait rien. De toute manière, c'est de la merde, mais. Je viens juste pour l'XP des spawners, mais. T'imagines quelqu'un qui espère trouver des trucs intéressants? Celle-là, il y a vraiment rien, c'est le cas de le dire. Pas de la bouffe. Oui, on a de la bouffe. Youpi! On a de la bouffe. Ah! Des petits spikes de lag, aucune idée pourquoi. En plus, j'ai rien de voir, je me suis même déconnecté de Skype, tu sais. Ben, je voulais pas. C'est comme, c'est fou. Peut-être comme pas c'était mes préférences encore. Je sais pas si j'update en Windows 8, faudrait que je remette le nombre de gigs de RAM.
Parce que normalement, je mets comme 10 Go de RAM en Minecraft parce que ça me fait chier quand ça lag. Fait que je vais remettre ça là. Parce que ça me fait chier. C'est quoi ça? Mais nous, on peut pas mal tout dessus. Fait que. You. Par contre, ça me fait un méchant bout qu'on a comme pas vraiment update notre stuff. Puis tu sais, c'est l'affaire, c'est que je sais pas, mais il me semble que les derniers niveaux qu'on a, ça servait comme pas à grand chose. Je sais pas, on l'a comme. Il me semble que ça fait 5 épisodes qu'on a comme exactement le même stuff. Puis ça fait 10 épisodes qu'on a exactement la même pique. Écoutez, pour l'épisode 10, c'est un très bel épisode. Moi, je suis extrêmement content. Sérieusement, c'est de la merde. Mais voilà. Donc, j'espère trouver un donjon intéressant à un moment donné. Pour la fin de l'épisode, ça pourrait être sympathique. C'est juste qu'on le trouve, là, pas le faire. Pour cet épisode-ci, on a fait l'espèce de donjon weird avec le chaman Let, là, qui servait absolument à rien là, comme donjon. Donc, tu sais, c'est vraiment sympathique. T'sais, je me sens tellement bien d'avoir fait un donjon pour rien. Puis là, c'est même pas un truc. Des fois, t'as des petites maisons avec comme un chest. Non, il y a deux chests puis un spawner, un squelette, genre. Ça peut être, ça doit être, pouvoir être un autre spot. Hey. On va t'arracher la tête, maudit oiseau. Pauvre petit oiseau. Ben oui, hein, tu sais. Comme s'il n'y avait pas de la lave en dessous. Chris, c'est du sable. C'est de la marde. C'est même pas de la lave, esti. Ils veulent juste nous tuer. C'est méchant. Ne faites pas ça, les enfants. Donc, t'as rien ici. Sérieux, par contre, c'est sûr que pour le mode inutile, c'est quand même très très beau mode. Le mode structure inutile, c'est un mode qui doit être fait, qui est très inutile comme son nom l'indique. Je sais pas c'est quoi qu'il y a sur la carte. Ah! On l'a trouvé le donjon le plus dur. Le. Sinon. Bah, c'est plus dur que. L'autre on a fait, il est plus gros. Ouais, il est un peu plus gros. Donc c'est lui le je pense c'est lui le Snow Castle. Donc c'est le donjon le plus dur. Je pensais que c'était l'autre qu'on avait fait tout à l'heure. Je le trouvais pas si dur que ça. Il était pas super facile non plus. Faut pas... Ah, puis en plus il y a une belle tour. Totalement piégée parce qu'il est en sable. Il essaie... Puis il est complètement buggé aussi. What? Putain, je te l'ai explosé par contre. C'est peut-être pas un. C'est peut-être pas un. Une merde d'abord. C'est même pas du sable, c'est de la sandstone. Ben écoutez. C'est sûr qu'il n'y a pas de chest, fait que ça sert à rien, mais c'est beau. Shit. Par contre, moi, il était 52 chez nous. C'est fun, hein? T'es supposé avoir une tempête de neige aujourd'hui. T'es supposé pas aller à l'école. T'es supposé. Mais supposé, c'est un grand mot, mais. On espérait, disons. Tic. Déjà fait, mais j'en ai, je pense j'en ai fait un genre que justement il y avait plus de place de hard drive. Comme fait au complet, c'est là qu'on avait trouvé les bibliothèques. Mais ça, il y avait pas de, on dirait une genre de petite ville souterraine que tout est pété. Pourquoi tout est pété? C'est quoi? Il y a comme une espèce de bug? Oui, c'est un petit fidèle. C'est comme une mini ville. Avec un zombie. Et non pas un mini zombie. Oh.
c'est bien, ça nous donne un peu de niveau. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait lui, mais j'avais pas un bon feeling. On voit bien rien. Shit! Oh non, il est invisible. Faut absolument que je pète le spawner. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste pour savoir. Les grenadiers, mais au moins ces grenades, c'est juste des grenades de slowness. Sinon, ça ferait mal en hein? Sans vouloir être vexé, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui se passe ici? What the... Moi, je voulais juste monter les escaliers. D'où c'est qu'ils sont tous apparus? En plus, le pire, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Ça me surprend. Shit, mais... Quand même, hein, c'était... Ok, il était comme tout ici, planqué... pour m'arracher les chinois, genre. C'est triste. Ok... Des salles vraiment vraies. Ah, ok, c'est un parcours. Écoute, il est. Oh shit, par contre là il commence à être un peu tard pour moi. Écoute, c'est le 10e épisode donc je vais essayer de faire ça quand même comme il faut. Pour. C'est quand même 10 épisodes. Bam, voilà. C'est le fun qu'on puisse terminer les donjons. Oh, what the fuck is going on here? Vraiment long avec la vie à défendre. Non. Le pire, c'est qu'on part comme aucun cœur. C'est comme tiens, un moment donné, quand t'as du bon stuff, là. Même en vanilla, y'a plus personne qui peut te faire mal. Enchanté, lui ça faisait mal. Bon, allez, voilà. 27 niveaux, on met des torches de temps en temps, tu sais. On va en mettre tout le temps, mais de temps en temps, ça peut être bien. Non! Mon épée est allée, je sais pas trop où. J'ai vraiment failli crever là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Oh non, je peux pas me déco parce que j'ai pas mon épée. Fait que sinon c'est sûr que je la perds. Faut absolument que je trouve mon épée. Okay, on va jeter plein de trucs à terre. Évidemment on a cette épée là dans les mains. C'est tellement chiant comme pic. Tac, tac. C'est pour ça que je vais me faire une efficiency 5 en diam. Ou même en living metal comme on a eu l'autre fois. Ok, il faut absolument qu'on trouve la pique. Non, l'épée. Ok, parfois on a l'épée. Ok, c'est correct, on va s'en aller d'ici pour l'instant. Donc, moi, il est trop tard, mais bon, j'espère... C'est vraiment... C'est des gros donjons. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Le prochain épisode, on termine ce petit donjon-là à la merde. Puis on va faire l'espèce d'énorme donjon. Oh non, j'avais pris la pique dans mes mains.
Allez, à la prochaine.